Bienvenue dans cette leçon de Tai Chi Yang. Je vais travailler à partir du début de la deuxième partie de la forme des 40. Concernant la première partie, je vous renvoie à mes 10 premières leçons de Tai Chi Yang. Première, deuxième, troisième, jusqu'à dixième leçon. Je vais voir quelques séquence de plusieurs mouvements avec une vue de face et une vue arrière, et je posterai également la vidéo en miroir. Vous aurez donc la vidéo, je vais dire basique, normale, et puis l'autre vidéo, vous choisirez en fonction de vos ressentis, l'une ou l'autre, ou bien l'une et l'autre. Nous sommes arrivés à la fermeture apparente. Je m'assois, je pivote sur le talon, j'ouvre dans la cage thoracique. Transfert sur la jambe arrière, soulever le talon, rassembler les bras, prendre la balle. Ici, je pivote légèrement pour aller en vol oblique dans la diagonale. S'asseoir. Pivoter sur le talon. En même temps que je pivote, je retourne la main. Je commence à me rassembler. Je me rassemble la jambe et le bras en même temps. Je sépare une ligne entre les talons dans la diagonale, petit séparé. Je pivote sur le talon avant. Sur la pointe du pied arrière, je suis en pas croisé. J'avance le pied arrière, je m'assois, la main est à la hanche, je décolle le talon en piquant, piqué au niveau de la gorge. Je m'assois en fermant le poing et en retournant la main la plus haute. Je vous montre la même séquence une seconde fois. Fermeture apparente, ouvrir, prendre la balle, rassembler, pivoter légèrement, vol oblique, s'asseoir, pivot, rassembler, séparer, de nouveau pivot, avancer le pied arrière bloqué, piquer et point sous le coude. Je vous montre une autre orientation. Fermeture apparente, je m'assois, j'ouvre, je repasse le poids sur la jambe arrière. Je me rassemble, pivoter légèrement, vol oblique dans la diagonale, la main en face du menton. Passer le poing en arrière, pivoter sur le talon en même temps que je retourne la main, commencer à me rassembler, me rassembler. Dans la diagonale séparée, la main en face du menton, pivoter. Je m'appuie avec la main au niveau de la hanche, grande balle à l'intérieur des bras. J'avance le pied arrière, je bloque, je m'assois, je bloque la main gauche au niveau de la hanche. Je pique en soulevant le talon et poing sous le coude. Séquence suivante. Poing sous le coude, talon avant au sol, en pas vide. J'ouvre les deux mains à la même hauteur, pointe du pied au sol. Je recule la jambe avant en amenant la main arrière au niveau de l'oreille. Je m'assois, recule et repousse le singe, pivot sur le talon. Ouvrir,
en soulevant le talon avant. Reculez le pied avant en amenant la main au niveau de l'oreille. S'asseoir et repousser le singe, pivot sur talon. Main au niveau de la hanche, coude vers le bas, coude ouvert. Encore une fois, point sous le coude, reculer, repousser le singe, une fois, et une deuxième fois. Dans l'autre direction. Point sous le coude. Changez le pied avant, pointe au sol en même temps que j'ouvre. Les deux mains à la même hauteur. Je recule le pied, la main à l'oreille. Je tire la main avant, cette main-ci passe au-dessus, je pivote sur le talon. Repoussez le singe. Genou avant, légèrement fléchi. Ouvrir, soulever le talon, la main à l'oreille et repousser le singe. Point sous le coude, reculer, repousser le singe une fois, reculer, repousser le singe une deuxième fois. Et terminé. Séquence suivante. J'ai repoussé le singe, deuxième fois. Je soulève le talon, je descends la main. Je pivote, je ramasse. Je passe le poids, la main la plus haute monte. Je dépose le pied dans la diagonale. Je viens prendre la balle. Préparer la fille de jatte. Premier coin, la fille de jatte, tisse et lance la navette. La main en face de l'épaule, la main protège plus haute et plus près. Passer le poing un peu en arrière. Revenir soulever le talon. Prendre la balle. Préparer la fille de jatte. Je vais ouvrir mon coude, rotation de l'avant-bras, spirale qui ferme de ce côté-ci. La fille de jatte tisse et lance la navette une deuxième fois. La main avant descend, la main arrière monte. Je viens dans la diagonale prendre la balle. Je suis dans la première fille de jatte. Venir prendre la balle et deuxième fille de jatte. Et je termine. Je suis dans ma deuxième fille de jade. Un peu en arrière, décoller le talon, prendre la balle. Je suis dans la diagonale, la main au niveau de la poitrine, l'autre main au niveau du bas-ventre. Poser le talon, les mains se rapprochent. Pendant le transfert de poids, séparer. Pivoter dans la diagonale, prendre la balle, poser le talon et deuxième séparer. La crinière du cheval sauvage. Prendre la balle. Premier séparé. Avancer dans la diagonale, prendre la balle et deuxième séparé. La fille de jatte tisse et lance la navette, deuxième mouvement.
S'asseoir, avancer, prendre la balle, je suis dans la diagonale. Poser le talon souple dans le genou, séparer la crinière du cheval sauvage. Un peu en arrière, pivot, prendre la balle, poser le talon, séparer la crinière du cheval sauvage. Premier séparé. Et deuxième séparé. Fin de la deuxième partie. Je vous propose de revoir un certain nombre de fois ces séquences. D'abord séparément, puis en essayant de les relier tout ensemble. C'est la deuxième partie de la forme des 40 postures de style Yang. Je vous encourage aussi parallèlement à travailler sur le Qigong du style Yang, les 5 exercices de base, les 8 techniques sur place. Les formes viennent dans la suite de cela. Vous trouvez toutes ces leçons, toutes les formes montrées du début à la fin sur ma chaîne YouTube. Si vous appréciez cette leçon, n'oubliez pas de me le faire savoir avec un like, avec un commentaire. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une excellente pratique. À très bientôt.